Hey Bree. No. Yes. Mais patronnée, Brenda Bia n'a pas encore envie de se marier. Oh que non. Pour le moment, elle préfère être célibataire que de se marier et avoir des enfants avant 30 ans. La fille unique de Paul Biya et de Chantal, sa femme, a assez une idée de ce qu'elle veut faire de sa vie. On veut nous faire croire qu'à 30 ans on doit être marié avec des enfants. Je ne savais pas que la vie avait l'emploi du temps, écrit-elle dans une publication il y a quelques heures sur sa page Facebook. L'unique fille du couple présidentiel a posté une photo où on la voit avec ce sous-vêtement recouvrant sa poitrine. Adepte invétérée des réseaux sociaux, Brenda Bia y publie régulièrement des photos témoignant de son train de vie fastueux. Que ce soit sur Facebook, Instagram ou Twitter, chacune de ces photographies est scrutée au millimètre par des internautes qui, quelquefois, n'hésitent pas à les gratifier de commentaires désobligeants ou positifs, selon qu'il haïsse ou non son père. L'unique fille du couple présidentiel partage quasiment tout avec ses followers. Ses instants de bonheur, tout comme ses moments de détresse. L'on se souvient qu'il y a 3 mois, alors qu'elle était en confinement au palais présidentiel à Yaoundé, elle a tenu les Camerounais en haleine, publiant régulièrement de courtes vidéos dans lesquelles elle semblait indiquer que sa vie était en danger. Toutefois, depuis qu'elle a quitté le Cameroun pour la Suisse, Brenda Bia s'est un tout petit peu assagie. Plus de vidéos énigmatiques, ni de déclarations farfelues. Néanmoins, quelquefois, il lui arrive encore de défrayer sporadiquement la chronique. Comme le dimanche 6 septembre 2020, où elle a posté sur Facebook une photo prise par elle-même, où on la voit posée avec un soutien-gorge blanc. L'élément n'a pas été publié sur son mur, mais plutôt sur son Facebook Story. Ce dernier devait en principe disparaître après 24 heures. Mais les internautes ont eu le temps de faire des captures d'écran pour les diffuser dans les réseaux sociaux, provoquant un tollé général. De nombreux Camerounais se sont offusqués à la vue de cette photographie, arguant qu'un tel comportement ne serait pas digne de la fille d'un président de la République. Visiblement peu affectée par ce florilège de commentaires négatifs, la deuxième née de l'union de Paul et Chantal Biya n'a pas supprimé la dite photo, qui a disparu d'elle-même, après que le temps imparti aux Facebook Stories se soit écoulé. Qu'en pensez-vous, mes patronnés? Monsieur Oumarou. Le Cameroun est pourri, man, je vous mens pas. Le Cameroun est pourri, man, je vous... J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez surtout pas à laisser un commentaire et de vous abonner. À très bientôt sur la Patronale Originale, votre magazine.